この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à, vous l'aurez compris, Need for Speed Poursuite Infernale 2 sur PlayStation 2. Alors, c'est un jeu qui est sorti sur PC, sur Xbox, sur. Non, c'est pas sorti sur GameCube aussi. Donc, c'est plus ou moins. Ouais, on pourrait appeler ça la suite de Haute Poursuite. Façon de parler. J'ai bien avant, façon de parler. Parce que c'est quand même pas mal différent. Enfin. On a quand même quelques années dans les pattes et du coup il y a pas mal d'améliorations. C'est un jeu que j'ai toujours d'ailleurs sur PC. Et à l'époque, j'en ai gardé un souvenir assez correct, mais vraiment sans plus. Mais il y a des choses, des bonnes idées, des choses pas mal. Et surtout c'était beaucoup mieux fait que la version PlayStation, vous en doutez. Je sais pas, la version PlayStation 1. Alors on va justement, au niveau de l'audio, on va baisser un petit peu le son des menus. Parce que je suis désolé, mais vous savez déjà comment ça va se passer. Le jeu, on va s'astraquer hein, concrètement, voilà. En plus, on est à peu près dans les mêmes variantes que Burnout, donc on va éviter. Sincèrement, on va mettre les sons pas trop forts. Voilà, donc désolé pour l'ambiance, malheureusement, on va tout de suite faire avec. Alors, regardez, on a les options de la manette, on va vérifier ce qu'il y a, donc la configuration de joueur 1, joueur 2, c'est du classique, direction avec la croix, accéléré, freiné avec le carré, on a le turbo avec le R3, donc il va falloir, alors je sais pas s'il faut appuyer, normalement c'est appuyer je pense, ouais je sais pas, alterner la TH avec le bouton du haut, passer à la vitesse rétrogradée, on peut figer l'action si on fait L2 plus triangle, et L2, R2 on fait un aperçu, donc ça c'est pas mal, regarde en arrière, figer l'action. Donc il y a quelques idées, vous allez voir, qui sont cool. On va voir les options d'affichage du jeu. Donc on a la carte du circuit 3D rotation. Donc ça c'est au niveau de la carte classique. On va garder... ouais, 3D, pourquoi pas. On va laisser les rétroviseurs, le classement, option joueur 1. Caméra dynamique on a. Donc ça c'est les accélérations de caméra. Bon, on va laisser par défaut, comme ça vous allez voir après à quoi ça ressemble. Quand on lance le jeu rapidement, enfin... Première fois qu'on lance le jeu. Les génériques, donc je vous l'ai mis, c'était pour vite passer l'introduction directement. Mais on a d'autres choses, on a Electronic Arts, Black Bug Games, c'est dans les coulisses de NFS. On va du coup garder en français et on va commencer en mode. Enfin, en mode poursuite pour le moment. Donc on a le mode course immédiate, c'est vous le policier, défi et super pilote. Alors vous allez voir que voilà, ça c'est les trucs par exemple qui n'existaient pas. On a 30 épreuves pour faire vos preuves. On va commencer directement là-dessus. Et par exemple, on a une livraison avec la Lotus Elise. On va commencer par là. Alors, vous voulez devenir le meilleur des super pilotes. Commencez par livrer une Lotus Elise en moins de 5 minutes. Mais attention, la police veille au grain. Alors, attention au radar. Atteignez votre objectif ou débloquerez les épreuves 2 et 3 et la Lotus Elise dans les modes défi. Donc, voilà. Donc, on a la première voiture qu'on pourra avoir dans ce jeu. Alors, à l'époque, le jeu était quand même plutôt bien fait. Plutôt joli, vous allez voir. Les voitures sont très très bien réalisées. Hein. Alors, on est... pas loin d'un Gran Turismo, j'y pas loin parce qu'on sent que ça manque un peu de polygone par rapport à ce qu'on avait par exemple sur,
ce Gran Turismo 3 à l'époque, voire même Gran Turismo 4 aussi. On va la prendre en, ouais, bon, en bleu, hein, c'est classique, on va faire automatique. Et si le conduite, regardez, on a classique ou extrême, on va tester les deux, comme ça vous allez voir qu'il y a la différence qu'il y a entre les deux modes. Donc c'est parti, chargement. Alors je pourrais la comparer avec la version PC, mais c'est pas ce que nous allons spécialement faire aujourd'hui. On va contenter de découvrir le jeu sur la version console. Ok, donc c'est parti. C'est parti. Et donc nous allons découvrir ensemble le jeu. Donc qui évidemment a bien progressé en termes graphiques, vous pouvez le voir là. Donc je dois juste à suivre le tracé. Hein. On n'est pas trop dans un mode libre. Hein. Là, c'est juste un circuit. Et vous voyez, il y a les flics. Et voilà, du coup, on a une étoile. Et ce qui est génial, c'est toujours. Aïe. C'est tout ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on a les voix des flics qui sont vraiment trop bien. Voilà. Donc vous allez voir, plus on va avancer dans la recherche, plus ils vont commencer à nous poser des pièges, notamment des RS, on peut avoir des hélicoptères, etc. Et sur le tracé, vous allez voir, on a quelques raccourcis, quelques possibilités de justement les semer. Par exemple, je peux passer par là. Ouais, ça c'est un chemin qui n'était pas prévisible. Mais bon, ils vont quand même me suivre, hein, ils sont pas non plus trop bêtes. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je l'ai lancé, ça permet de voir devant, pardon. Ça me permet de voir devant ce qu'il y a. Si je fais R2, regardez, je suis en mode où je peux voir autour de moi. Ça c'est cool, ça permet d'anticiper un petit peu ce qui se passe. Ah, il dit que le suspect répond pas, bah évidemment je vais pas vous répondre, excusez-moi monsieur, vous êtes un peu impoli. Et du coup, bah, je vais essayer d'arriver jusqu'au bout en moins de 5 minutes. Donc là vous voyez, ils commencent à monter un petit peu en pression les policiers et du coup ils vont commencer à être un petit peu plus incisifs normalement. Alors ça c'est la première mission. Hein. Vous avez vu, on a quelques effets de reflets et d'eau, c'est vraiment bien fait. Moi je trouve que sur PS2 c'est super bien fait. Donc là ils vont essayer de me bloquer. Et qu'on va arriver sur une partie du périphérique. Alors c'est pas comme dans Most Wanted, hein. C'est-à-dire qu'on est libre, mais bon, ça reste assez limite. Donc là il va essayer de me bloquer, on va passer. Oh là là! Là il va essayer de me bloquer, je vais passer par là. Et vous avez vu, on a comment dire? On a différents chemins. Et vous avez vu, on a aussi la forêt qui est en feu. Ça c'est assez marrant. Et oui, j'ai accompli 66%. 66% de mon objectif. Alors au niveau du maniement c'est toujours aussi arcade, hein, c'est du Need for Speed, vous l'aurez compris. En revanche, au plus d'être arcade, il y a aussi le côté, comment dire, hyper accrocheur des véhicules. Alors vous allez voir, ça va changer, hein, suivant le véhicule qu'on prend, il n'y a pas les mêmes grips. Et là on est en mode classique, hein, on est en mode normal. Et c'est pour ça que je voudrais vous faire tester, je voudrais vous montrer le mode extrême, qui est un petit peu différent. Donc là par exemple, la police n'a pas pris ce passage. Hein. Elle est tout en bas. Du coup, là, je passe sur les côtés. Ça fait quand même l'air de rejouer à ce jeu après des années. C'est un jeu qui est à Bandower, apparemment. Parce que oui, ça doit être ça, parce qu'il est sorti en 2002-2003 et on est en. Bah non, ça fait moins de 20 ans, donc ça va être bizarre. Bon, alors, je vais être confondu avec le Need for Speed 3. Mode poursuite. C'était un bon jeu, il a eu. Enfin, c'est un bon jeu. Il a eu des notes correctes hein, à l'époque, de souvenir. Je me souviens d'ailleurs que c'était mon père qui l'avait acheté. J'étais sort étonné que mon père achète ce genre de jeu, mais bon. Et voilà, on a réussi. On a réussi, et du coup, on a un temps en 4 minutes 5. Vous avez gagné la livraison de la Lotus Elise.
Et ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas encore en mode un peu underground, un peu kikou au niveau de la façon de parler. Je trouve que pour le moment, on est encore assez Vous avez sobre. débloqué la Lotus Elise. Voilà, donc j'ai 8 voitures sur 49 disponibles dans les modes défi. Donc on peut encore débloquer d'autres trucs. Félicitations, vous avez établi un nouveau record du circuit. On peut recommencer, voir le ralenti, voir les temps autour et revenir en mode super pilote, c'est ce que nous allons faire. Nous allons revenir en arrière. Allez, on va faire les modes classiques. Je vais vous montrer un autre mode de jeu. Donc on a le mode défi. Donc jouer seul ou défier un ami, c'est vous le policier. Donc on doit arrêter des voitures en étant le policier. Donc là on peut mettre un joueur ou plusieurs joueurs. On va mettre... Bon, je vais mettre débutant histoire de vous montrer. On peut changer la configuration, on peut mettre du trafic par exemple au maximum, ça va être sympa. On va mettre les dégâts. Et le turbo, ça nous permet de rattraper un petit peu la voiture devant nous si on est un petit peu loin. Et vous remarquerez que là, regarde, je te tutoie, bienvenue dans ma vidéo, j'espère que tu passes un super moment. On a plusieurs voitures à débloquer. Vous pouvez voir que là on a une Crown Victoria, mais on aura une BMW M5 de flic, on aura une SVT Cobra de policier, on aura une Corvette Z76 de flic, et évidemment la Lamborghini Murcielago qui est quasiment celle présente sur la jaquette. On va prendre la Crown Victoria, et on va la passer en extrême, comme ça on va pouvoir un petit peu comparer. Regardez, donc on a plusieurs circuits, alors ils sont tous bloqués, hein, parce qu'on n'a rien débloqué pour le moment. Voilà, donc on va faire le tout premier circuit, puisqu'on n'a pas débloqué le reste, hein, on débute dans le jeu. Et voilà, c'est vraiment un jeu sympa. Franchement, à l'époque j'avais bien aimé. Ça n'a pas été mon préféré Need for Speed, peut-être parce que j'y jouais tout seul concrètement, hein, que j'ai pas forcément de potes à ce moment-là avec qui m'amuser. Comparé par exemple avec le 3, hein, on s'amusait à plusieurs. Soyez à l'affût des chauffards, pardon. Arrêtez le square fou du volant. Attends, arrêtez les quatre fous du volant dans le temps. Oh, j'ai dit square. Imparti pour obtenir les points de bonus. Visez, ne plus viser les chauffards en vue. Appelez un hélicoptère de renfort. R2, ça permet de demander un barrage autoroutier. Et R3, c'est pour activer le turbo. Centrale à toutes les unités. Essayez de localiser les voitures qui font la course. Donc là, on est en mode facile. Attendez, je l'ai pas arrêté là. Oh là. Alors ça glisse beaucoup plus, hein, du coup. Alors j'ai pas compris comment je fais pour mettre la... J'ai pas compris comment j'ai fait pour le. Comment je vais faire pour l'arrêter lui. J'ai dû rater un épisode en fait. Attendez, c'est assez bizarre. Je sais plus comment on les arrête, attendez. On va faire consulter objectif. Viser, ne plus viser les chauffards en vue. Rond. Ah oui voilà, c'était rond en fait. Je dis... Donc on va essayer de l'arrêter. Donc là il se laisse pas faire évidemment. Et oui, je vais voir un peu de vue de côté aussi, comme ça, avec le bouton L2. Et on va essayer de rattraper les autres maintenant. Alors on a perdu énormément de temps, hein, parce que j'ai pas réussi. Et on peut changer la sonnerie, enfin la sonnerie, l'alarme de la voiture. Ouais, c'est bon, on va pouvoir reprendre. Alors on va essayer de les rattraper. Arrêtez-vous! Voilà, donc on l'a interpellé. Oui, je peux changer les options aussi en appuyant sur le bouton du haut. On peut choisir d'afficher les contours, le circuit, etc. Mais si j'appuie sur haut encore une fois, allez, je masque les éléments. Donc du coup, on va quand même tout afficher, sinon c'est compliqué. On va essayer du coup, il me reste 131 secondes pour les arrêter. Oh là là!
Et on va essayer de le... Et il faut appuyer sur rond une fois qu'on est à basse vitesse pour l'arrêter. Donc là on va aller chercher le dernier. Il nous reste 144 secondes. Ça devrait le faire. Hein. Franchement ça devrait le faire. Après on est en mode débutant donc évidemment c'est pas le plus difficile. Vous avez vu, il y a un feu de forêt. Laissez vos mains bien en évidence. Alors je suis désolé, c'est un petit peu brouillant, hein. Mais on a réussi du coup à les avoir. Donc voilà, je répète, le rond, c'est pour prendre en chasse la voiture qu'on souhaite. Et puis le rond, une fois qu'on est à basse vitesse, voire carrément à l'arrêt, ça permet de l'interpeller. Donc on peut recommencer, voir la ralentie ou quitter la poursuite. Vous avez vu, j'ai des dégâts hein, sur la voiture. Évidemment, au débutant, c'est pas ce qui va être le plus intéressant. Le mode, c'est vraiment le plus intéressant quand on est l'un contre un. C'est-à-dire avec un autre joueur qui n'est pas une IA. On va faire un mode de poursuite encore, toujours, et on va faire une course immédiate. Histoire de voir un petit peu les véhicules, même si je vais pouvoir vous les montrer, bien sûr, après, un peu plus en détail. Les chargements sont pas spécialement longs, ça va, en général, ça va. Voilà, donc là, c'est une course au hasard. On va prendre donc cette course-là. C'est parti, on a... Et du coup, on a alors on a deux tours. Et on va essayer... Vous allez voir, il y a les flics qui vont arriver. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez vu... Ce qui est bien, c'est qu'il a détecté une Opel Speedster, mais il n'a pas détecté ma voiture. Oula, vous avez vu la voiture, elle s'est légèrement levée. Et là, il va aller chercher la speedster. Hein. Il va pas aller chercher nous. Donc là, je sais qu'il est pour moi parce que j'ai une flèche bleue en fait qui s'affiche. Donc là, il va aller essayer de me choper. Alors il va essayer de m'emmener, il va essayer d'emmener, il va me gauler. Et finalement j'ai réussi à m'échapper, par contre je suis dernier maintenant. Donc là ils ont mis en place un barrage. Je vais essayer d'utiliser le boost. Il en a réussi à l'esquiver. Là il est en train de bloquer le... L'autre joueur, du coup on va en profiter pour passer. Et là il y a un barrage, vous avez vu. Et malheureusement, je crois que je me suis pris le... Ah non c'est bon, j'ai réussi à passer. Et là j'étais interpellé, voilà. Je crois qu'on a crevé en fait, le fait d'être passé sur le baril. Mais comme on n'est pas en mode... On est juste en mode... comment dire... En mode course, j'ai pas game over. Hein. Par contre, si je me fais interpeller deux fois, vous pouvez voir les croix en haut à droite, et bien en gros, je vais perdre. Concrètement, je vais abandonner. C'est un petit peu comme dans le haut de poursuite, hein, concrètement. Vous avez vu, il y a pas mal d'effets climatiques aussi. En moins, on est carrément dans un brouillard. Enfin, tempête de sable. On peut même rentrer dans les bateaux de paille. Alors là, je suis en mode extrême, enfin en mode extrême, en mode un peu plus réaliste. Et effectivement, quand on accélère un peu trop fort, ça glisse un peu plus. Par contre, vous voyez, le premier est vraiment loin devant, hein. 13 secondes. Et vie arrière, et je vais voir ce qui se passe derrière moi. Et je marque des points quand je fais quelques figures. C'est plutôt intéressant comme jeu dans le sens où c'est vraiment... comment dire... C'est vraiment, vraiment assez épique quoi, ce qui se passe en général.
Oh, je vais me péter le cactus, vous avez vu? Alors, le bouton turbo, je l'ai pas trouvé. Par contre, maintenant, vous allez voir, vous avez vu, j'ai. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai 3 barres de flic, 3 étoiles. Et là, j'ai 4 étoiles maintenant. Donc, 4 étoiles, logiquement, je vais être vraiment recherché. Ah bah là je suis passé au mauvais endroit, mais j'ai réussi à passer le barrage quand même. Et là j'ai fait R2 du coup pour voir ce qui se passait derrière moi. Mais on a toujours 4 voitures de 4 étoiles, donc ça va être compliqué. Ah, il va me bloquer. Et attendez, il y a l'hélicoptère qui arrive. On a même la speedster sur le côté, on va essayer de passer par là et on va passer sur la droite. Bon, les vibrations sont évidemment gérées sur la manette, ça vous pouvez pas le voir. On a eu la chance, ça c'est beaucoup plus permissif, hein. C'est-à-dire qu'en gros... Dans le 3, vous étiez en dessous de 50 km/h à peu près, il considérait que vous étiez arrêté. Là, vous avez vu, j'étais quasiment à zéro. Mais le fait de ne pas être à côté de lui, ben, il m'a pas arrêté. Et là, on a réussi à passer. Donc là, vous pouvez voir quand même qu'il y a pas mal de choses hein, qui nous permettent de, qui leur permettent de nous embêter. Regardez, là, ils nous envoient carrément des trucs explosifs. Et là, j'en suis pris une. Et alors, du coup, ça va être très compliqué. Je peux quasiment rien faire. J'ai réussi quand même à en sortir. Hein. La vache, regardez, il y a tout qui explose. Ils m'ont toujours pas eu. Oh là là. Je suis toujours à 4 étoiles hein, pour le moment. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire en attendant? Bah écoutez, vous le voyez par vous-même, hein. C'est un jeu qui est quand même... Ah bah je vais pas regarder. C'est un jeu qui est quand même assez... assez sympa. Assez sympa, vraiment fun. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu, c'est qu'il est très très fun. Là, on a pris un petit raccourci. Je sais pas combien on est là, on est deuxième. C'est vrai que j'ai enlevé un peu la chute. Et le fait de passer par là, bah du coup... Alors ça fait penser un petit peu à un raccourci. Il nous attend, hein. Il est juste devant nous. Oh là là. On est toujours à 4 étoiles, mais ça devrait passer. Ah, je suis désolé, hein, mais bon, tant qu'on m'avait pas abattu littéralement... On termine deuxième, bon c'est, ça aurait pu être mieux, mais deuxième c'est quand même pas mal. Et voilà, donc du coup on a gagné 10 500 points, 5000 points de bonus deuxième place, on a 41 000 points. Félicitations, vous avez battu le record du tour sur ce circuit. Et du coup on va pouvoir passer à suivant. Donc là on peut faire ralenti, mais pour le moment on va faire quitter la course. C'est quand même assez épique, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, à stade de la vidéo, mais franchement, c'est pas mal, voilà. C'est un mélange qui est encore, je trouve, assez... C'est vraiment jusqu'au Most Wanted, voilà. Après, c'est pas vraiment en cacahuète, on va dire, pour être gentil. Là, c'est un peu... Voilà, ça reste de l'arcade, c'est quand même un peu bourrin, mais il y a un mélange, ce qui fait que ça reste encore un peu réaliste, encore un peu épique. On n'est pas encore dans le n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'aime encore ce jeu. Alors, on a un mode course immédiate, un mode défi, un mode championnat. Donc, piloter les véhicules bolides sur 30 épreuves. Attendez, c'est course mondiale, c'était ça? Attendez, je reviens en arrière. Poursuite.
Non, c'est ça, course mondiale. Et on va faire du coup un mode championnat. On va faire le défi du parc national. Donc, entamez votre quête du titre de champion du monde par une course simple à travers le parc national. Débloquez les épreuves 2 et 3 en terminant au moins deuxième. Mais attention, vous devez remporter cette épreuve pour débloquer le parc national dans les modes défi. Et enfin, j'ai envie de vous dire, on a donc des voitures débloquées. On jointe un peu tout ce qu'on a au début. La T550, j'aime bien, c'est la fameuse Ford Falcon, je crois, qu'on a dans le Levi Supercar à l'époque. Et on a aussi la VX220. Voilà, petit cabriolet. Je vais prendre celle-là, simplement. On va changer la couleur. Ah, j'aurais bien prise en jaune, mais on va, écoutez, on va la prendre en rouge. Et on va rester en mode extrême parce que c'est quand même le plus intéressant pour piloter. Alors, certes, elle glisse beaucoup plus, mais au moins, il faut un peu plus de talent, on va dire, pour piloter dans ce jeu. J'aurais jamais pensé dire ça dans un Need for Speed, mais bon. Donc, on est 5 et on va donc démarrer. Alors, étonnamment, j'ai l'impression que son PC est un petit peu différente, mais bon, on va voir. Hein. Et ça glisse un petit peu. Voilà. Donc là, c'est une course. Je sais pas si on aura la police ou pas. Je pense que oui. Enfin, en tout cas, j'espère. Alors, c'est la version pâle du jeu. Hein, donc, au niveau de la framerate, on est peut-être à 50, 50 Hz. On n'est pas à 60. Donc, c'est pour ça que ça peut vous paraître un petit peu lent à certains moments. Mais bon, c'est comme ça. Regardez, on a un mode ralenti. Oh là, ça, c'est magnifique. Ça, par contre, c'est toujours depuis Need for Speed Underground. C'est quand même. C'est quand même super cool. Là, je vais essayer de ralentir, voilà, pour bien prendre le virage. Voilà, le jeu est propre au niveau des graphismes. Il n'y a pas encore d'abus sur les effets comme il y a eu à une période qui a suivi, avec les effets de blur, les effets de machin. Là, c'est plutôt bien dosé. C'est pour ça qu'au niveau des graphismes, je trouve quand même le jeu toujours aussi agréable à l'œil. Alors, on est sur la version Play 2, hein, c'est la version la plus moche, logiquement. Par rapport aux autres. Bon, pour l'instant, c'est la première course, donc on devrait s'en sortir. Voilà, on est premier. On fera un petit comparatif avec la version. Je vois rien. Avec la version PC, peut-être un jour. Ou même une version autre, hein, si elle est différente. Voilà, par contre, la cinquième, il a vraiment du mal. On va passer sur ce côté. Alors, effectivement, je ne sais pas forcément tout montrer, mais regardez, on a d'autres vues. On a une vue un petit peu en arrière. On peut voir le cockpit à l'intérieur. Regardez, on a quand même le cockpit qui est fait. Et là, regardez, on a un mode ras du sol. Et là où on peut voir l'eau qui est super bien faite. Et on a un mode un petit peu plus en retrait. Et il me semblait que sur son PC, on avait le cockpit entier. Je peux me tromper. Bah écoutez, on va garder la vue de derrière, hein. La vue classique. Pas mal d'effets de lumière quand même, au niveau des armes, c'est plutôt pas mal. Alors là, dans un monde qui est à peu près le même, mais vous allez voir qu'on va débloquer au fur et à mesure des circuits qui sont totalement différents. Alors l'IA est revenue un petit peu quand même. Alors que j'ai pas forcément fait d'erreur. Je vais voir derrière. Olé! Oh là 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 là, petit saut magnifique! Là, la caméra s'est pas déclenchée. Enfin, le ralenti s'est pas déclenché. J'ai un petit klaxon, j'appuie sur rond. On va essayer de passer par là, regardez. Eh mais j'aurais pas dû. Ça m'a fait faire un petit saut. Ah, bah il est passé par là! Ah bah j'ai du bol. Il y a pile au moment où il prend le raccourci, je le prends aussi. Bon, ce qui est dommage, c'est que du coup on n'aura pas vu le saut. Par contre, ça a permis au troisième de nous rattraper. Regardez les dégâts quand même. C'est plutôt bien fait, hein, les dégâts. Pour du Need for Speed, franchement, ils en sont bien sortis. Alors évidemment, il n'y a pas... Ça reste des dégâts visuels. En tout cas pour le moment. J'ai pas d'impact sur la voiture. Je sais plus s'il y a un impact au bout d'un moment. Ça dépend peut-être du mode du jeu. Et encore, on est à 3 tours. Enfin, il y a 3 tours à faire, on est au deuxième tour. Donc on n'a pas fini.
Heureusement qu'on a tracé pour nous aider, hein, parce que quand on passe dans ce genre de d'endroit avec avec la fumée, difficile de savoir où on en est. Ouais, par exemple, j'aurais vraiment aimé avoir ce genre de graphisme pour Need for Speed Most Wanted, parce que Most Wanted, bon, c'était un très bon jeu, hein, c'est pas le problème. Mais il y avait toujours cet effet un petit peu jauni, jaunâtre, qui est un petit peu dégueulasse. Là, je trouve que c'est correct, quoi. C'est les bonnes colorimétries. Du coup, ça passe pas mal. Par contre, elle a vraiment démoli ma forme. Mais c'est une forme Mustang, en fait. Bah, je sais pas, on dirait une forme Mustang. Ah bah, il va nous rattraper. Alors, on est auteurs qui sont pas très rapides au début, puisque c'est le début du jeu. Mais évidemment, après, on va pouvoir améliorer ça. On aura des voitures beaucoup plus rapides. Hein. Vous avez entrevu la F50, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y aura des Porsche, il y aura des... Je crois qu'il y a des Mercedes aussi. Il y a pas mal de modèles. 30 voitures, apparemment. Donc, de quoi avoir un choix assez conséquent. Olé ! Là, un endroit horrible, par contre. Oh, aïe, aïe. Les suspensions, là... Alors, remarquez qu'il n'y a pas de police et on n'a pas de trafic non plus. Alors, si vous jouez, je vous conseille vraiment de mettre le mode extrême, enfin le mode de maniement pas arcade. Il y a vraiment beaucoup plus de plaisir à rouler qu'avec le mode arcade qui sert plus facile, mais pas réaliste non plus. Allez, c'est parti! Et là, j'ai fait un grand saut. Les suspensions de la voiture devraient être mortes normalement, mais bon. Et là, on a encore droit à un petit replay. Ouais, l'IA s'accroche quand même. On a beau être, on va dire, trop faire d'erreur. Eh ben, elle est pas loin derrière. Alors, j'espère qu'on n'aura pas de problème avec les musiques. Franchement, c'est ce qui m'importe le plus. Alors, je les ai laissées en course parce qu'il y a... Bah, on parle par-dessus, puis il y a le son du jeu. Alors que dans les menus, il y a quasiment pas de son. Mais réellement, je sens qu'on n'aura pas de soucis. J'ai déjà eu des soucis avec Burnout. Burnout 3. Là, il y aura bientôt le... Enfin, bientôt. Il y aura un jour le test du Paradise. Burnout Paradise. Mais ça, c'est pareil. Au niveau des musiques, on va devoir faire le tri. C'est un peu le souci des jeux actuels, enfin, plus récents. C'est que les soundtracks sont pas des soundtracks imaginés pour le jeu en général, c'est des soundtracks qui sont juste des musiques, enfin Yé était spécialiste de ça. Des vraies musiques qui collaient dans un jeu. Et du coup... Non mais c'est une blague. Non mais c'est encore plus une blague. C'est une blague. Je vais finir 3e à 100 mètres du bout. Non, incroyable. Du coup, j'ai tout fait pour rien. Alors, j'ai débloqué quand même quelque chose. Une HCC coupée GTS dans les modes défi. Continuez à jouer pour débloquer votre voiture. Vous avez 9 voitures sur 49. Vous n'avez pas réussi l'épreuve. Je suis dégoûté. Du coup, on doit tous retaper. Puisqu'on a, bah, on a pas réussi. Et on doit donc recommencer. Alors, je sais pas si je suis revenu au championnat. On va faire OK. Aïe aïe aïe, c'est pas super là. Je pensais vraiment qu'on y arrivait du premier coup. Et finalement j'ai loupé, mais comme une buse, hein, au dernier moment. Alors là c'est le course mondiale, enfin course immédiate. Et on va voir ce qu'on peut faire en mode course immédiate par contre. Alors vous avez vu, on est 8. On n'est plus 4, on est 8. Et on va se battre contre d'autres voitures. Alors on est en mode... Bah je crois qu'on est en mode... Ouais, on va avoir une Viper du coup. Ça me permettra de montrer d'autres voitures. Ouais, alors par contre elle va glisser à mort la Viper. Très très bien réalisée la Viper hein, d'ailleurs. Alors attendez, on va faire une petite pause. Je vais juste régler quelque chose. Et du coup on va reprendre. Voilà, vous avez pas vu. Bon, il n'y a pas, finalement pas de changement. Alors vous remarquez qu'il y a une petite ligne hein, qui nous suit. Ouais, j'ai envie de vous dire, c'est encore l'émulation qui fait des siennes. Mais évidemment, si vous avez le jeu original, vous n'aurez pas ce problème. Regardez quand même les détails. Hein, au niveau des... On est 8 voitures en même temps. J'ai pas de ralentissement.
On a regardez, jolis effets derrière les voitures. C'est quand même super réaliste, super réussi surtout. Alors là, par contre, pour les rattraper, ça va être chaud. Je suis en drift constante. Et voilà, on va mettre un petit peu le HUD pour que on puisse voir un peu plus. Oh là là, regardez-moi ça. J'ai réussi. J'ai réussi à prendre le virage, c'est incroyable. J'ai réussi à prendre le virage. Et voilà, dans l'arrangement, j'ai pris l'arbre. Et les voitures, ça commence à prendre vraiment de l'ampleur. Quand on change des anciens Need for Speed avec beaucoup moins de voitures, là c'est vraiment vraiment beaucoup plus cool. Alors il y a un énorme brouillard, ça c'est par contre dommage. Mais bon, c'est propre au circuit qu'on a pris, qu'on nous a choisi. J'ai l'impression que la barre bleue est encore plus présente, c'est assez bizarre. Attendez, on va refaire un petit réglage, je suis désolé. Et on va reprendre. Ouh là là, attention. Alors, petit klaxon, hein, voilà, toujours le rond. On est 5ème sur 8. Et toujours le feu, hein. Ça fait des années qu'ils ont toujours pas éteint le feu. Et vous voyez que même l'IA prend beaucoup de chemins différents, hein. Il n'y a pas que nous qui utilisons des chemins à part. C'est pour ça que c'est pas mal, c'est que l'IA aussi... Oh là là, j'ai pris un arbre. D'ailleurs, il y a une IA qui est passée totalement à droite. Et du coup, vous pouvez les voir sur les côtés, ils ont tous pris le chemin extérieur. Aïe aïe aïe. Bon, ça va, à la sortie on est plus rapide, mais... Il faut vraiment faire gaffe, voilà, ce qu'on a devant nous. Alors j'ai le don de me planter aux endroits où il faut absolument pas, quoi. C'est genre, il y a un petit truc qui dépasse, je vais me le prendre. Hein. C'est vrai qu'on brille. Ah, les effets étincelles derrière les voitures, mais je trouve ça tellement bien fait. Alors j'ai le Mou GTS, hein. C'est pas la voiture la plus rapide, la plus facile à conduire en général. N'importe quel jeu, c'est les pires quasiment, mais bon. Parce qu'ils n'ont aucun train arrière. Le train arrière, il fait que... Que partir. Et voilà. Bon, on est un peu revenu sur eux. À 94% accompli. Et on va terminer dernier. Hein. Si ça, c'est pas incroyable, on va terminer dernier. Et voilà. Oh là là, là regardez-moi ça, on a échoué, mais vraiment... 16 secondes. Bon, on gagne des points, hein, c'est pas rare. On va faire quitter la course. Alors, replay quand même avait l'air sympa, j'aurais dû vous le laisser un tout petit peu. On va voir, hein, c'est notre mode de jeu. On va faire le mode... Alors poursuite, c'est ça que j'ai pas compris. Il me semblait qu'il y avait un mode carrière en fait dans le jeu. Et là, je ne le trouve nulle part. Alors défi, on va faire un mode défi, difficulté. Ben non, défi, non, c'est un choix. Et championnat, ben on va devoir piloter à nouveau. Bon ben écoutez, on va faire une course immédiate, on va voir si c'est le même circuit. Si le circuit change pas, on va refaire le championnat pour essayer cette fois-ci de gagner. Je suis désolé, hein, je pensais qu'on réussirait du premier coup. Ah bah non, on a de la chance, regardez, on est 8 maintenant, et on est sur un autre tracé. On va pouvoir... Alors un petit peu, on peut un petit peu en anticiper le départ, hein, vous aurez compris. Mais c'est bon, enfin... Bien prendre le départ comme il faut, si on appuie au bon moment. Ils sont beaucoup plus rapides que moi, hein. Ils m'ont mis une VX, je les ai fait exprès, le jeu me déteste en fait. Allez, il y en a qui sont prêts à droite, il y en a qui prennent à gauche, et eh ben nous on va prendre à droite.
Et j'ai cassé un cactus. Oh là là là, je fais n'importe quoi. Oui, on peut quand même un petit peu sortir des chantiers battus, hein. C'est pas que des murs invisibles. Ça c'est bien, on peut voir aussi sur les côtés. Alors par contre, un monde à 8 avec les flics, je dis oui, hein. Ça aurait été encore mieux. Ah bah voilà, on va se planter. Ouais, merci, moi dans le mur je te dirais rien, mais alors vraiment, hein, il m'a carrément collé quoi. Allez, on va passer par là. Je pense que ça n'a aucun intérêt, mais on va quand même le faire. S'il y a le fait aussi, on va faire pareil. Les effets de lumière, vraiment, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce jeu. Hein. C'est vraiment le show, le mieux truc que me fait. Là, on recoupe par là. On va prendre à droite. Alors, de souvenir, c'est quand même un jeu assez dur. Hein. Là, bon, on fait des bêtises, donc évidemment, c'est pas ça qu'il va falloir prendre en compte au niveau des difficultés. Mais, Non, mais c'est pas possible. Mais vraiment, je me souviens de m'être cassé les dents pour ce jeu. Hein. C'est vraiment, vraiment compliqué. Il y a un joli challenge. Par contre, j'étais persuadé qu'il y avait une version, il y avait une mode carrière un peu différent, façon Need for Speed 4, dans le jeu, mais en fait pas du tout. Non mais c'est pas possible. Je vais me prendre tous les murs du jeu, quoi. Donc là, il y a deux tours à faire, hein, par contre. Vous avez les caméras qui changent, on est plus loin d'un coup. Et voilà, on passe sur une caméra rapprochée. J'aurais pu aller à droite là aussi. En plus qu'on puisse faire des takedowns, ça serait pas mal. Mais bon, ils ont évidemment réservé ça pour Burnout. Ah, j'aurais dû l'emmener dans le mur. C'est incroyable. Les effets d'eau sont plutôt pas mal faits aussi. Bon, pour une PS2, évidemment. Calmons-nous! Il n'y a pas de bonus, hein. Si je rafle les voitures, j'ai pas un... J'ai pas de boost. Regardez autour de nous, voilà. Alors on peut voir qu'il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de flics. C'est le genre de choses qu'il faut utiliser évidemment en mode poursuite. Enfin, avec contre les flics, là, c'est beaucoup plus intéressant. Alors que si vous l'utilisez maintenant, bon, bah là, ça va pas servir à grand chose. Alors on va couper. Ah, plus que couper d'ailleurs. Ça m'a permis de rattraper légèrement la voiture devant moi. Bon, on va essayer de pas être ridicule. Ah bah voilà, j'ai fait la même. Et voilà, et en plus ce qui est génial c'est que je me suis remis à chaque fois face au mur. Je suis 158, hein, évidemment sur le gravier ça va moins vite. C'est pas moi. On a un petit peu de trafic. Ça serait intéressant qu'on en ait encore plus. Ouais, j'ai pas envie de me faire avoir deux fois, du coup je passe à moitié d'un côté, à moitié de l'autre, voilà. Et ça me permet de passer troisième. Je suis
Je suis passé par là, c'était vraiment par dépit, hein. C'est parce que j'ai même pas réussi à prendre mon virage. Du coup, il a fallu être. On casse des épis de maïs, j'ai l'impression. Oh, il y a des trucs partout! Et on est 3ème, non, 5ème, 6ème, je sais pas. Ça change les 4 secondes. Elle a un petit coup de boost, merci de m'avoir poussé. Et vous avez pensé un petit peu au circuit Rocky Pass d'ailleurs, hein, au niveau du tracé. Et on va arriver, bah écoutez, troisième. On n'a pas gagné une seule course depuis le début, hein, vous l'aurez compris. Il y a quand même un niveau de difficulté assez certain. Bon, on gagne des points, hein, donc ça c'est pas mal, mais je sais pas trop à quoi ça va me servir. On va faire suivant. Vous avez réalisé le meilleur temps du circuit. Alors je monte le ralenti quand même. Donc je peux changer la caméra. On peut mettre une autre caméra ici. On va mettre la caméra un petit peu cinématique. Si je fais carré, je fais à 1 sur 2. Si je fais rond, je peux voilà montrer un petit peu ce qu'on a comme option. Masquer les communs, etc. Donc là on masque tout. Donc on a une vue caméra tranquille. Et on va du coup faire quitter la course. Alors c'est 46 minutes. 46 minutes de jeu. Alors ce que je vous propose, moi de mon côté, je vais essayer de faire le défi du parc national. Et on se retrouve juste après, une fois que j'aurai réussi. Et de retour du coup. Donc on a débloqué l'épreuve 2 et 3 du mode championnat. Voilà, donc on a réussi, on va faire suivant. Félicitations. Donc on va revenir au championnat. Ouais, on va revenir au tour des épreuves et on va du coup essayer de voir la prochaine épreuve. J'espère que ce sera un circuit différent, un circuit qu'on n'a pas fait. Alors du coup, on a contrôlant méditerranéen ou tour de défi Forte 550. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On a un défi ou un contre-la-montre. On va faire le contre-la-montre. Avec une Mercedes CL55MG, boucler un tour de la côte du KU100 en moins de 3 minutes 5 pour remporter l'épreuve. Donc on va débloquer des sous-épreuves en dessous. 3 tours pour parvenir à vos fins. Attention aux autres conducteurs. Donc on va découvrir du coup la petite selle 55 AMG. On va prendre en... Bah, en gris, hein, pourquoi pas. Et on va la mettre en extrême, évidemment. Histoire de découvrir ça. Allez, c'est parti. Donc là, on a un nouveau tracé. Alors, par contre, j'ai souvenir de ce tracé à l'époque. Alors, je pense que j'ai fait un bon départ. Allez, c'est parti. Donc faut que je finisse le tour en moins de 3 minutes et quelques. Ben on va essayer. La voiture glisse énormément. Il y a déjà un saut. Alors je sens que je suis pas retombé droit, mais bon. Alors ce qui est bien, voilà, regardez, le soleil est super bien rendu. Hein. Franchement, même à l'heure actuelle, je suis encore surpris. Je le trouve vraiment, vraiment bien fait. Bon, ce qui est pas mal, évidemment, c'est d'avoir voilà, des ambiances différentes, des circuits différents. On n'est pas forcément toujours dans les voies américaines. Là, on est dans la Méditerranée. Alors, ils ont un petit peu abusé au niveau des clichés, mais... Mais franchement, ça va. Genre là, on va passer sur un pont à pleine vitesse, tout va bien. C'est Electronic Arts, hein, évidemment, on va pas chercher plus loin. Genre, voilà, ça c'est totalement improbable. Alors les vibrations marchent bien, par contre, quand on est pavé, on a la vibration qui marche. On sait que je n'ai jamais testé la manette de la PS5. Peut-être qu'elle est... Peut-être qu'elle doit être sympa aussi au niveau du senti sur la... Sur la manette.
Alors on repasse en boucle et du coup. J'ai pas eu le temps de le lire. Ce côté... Ouais, on doit être en Grèce. Ouais, bah on est en Grèce, on est en Grèce. Ah bah oui, d'accord, effectivement, au niveau de l'architecture, on peut le voir. C'est la Grèce. Alors là, j'aurais pu aller tout droit, finalement, je l'ai pas fait. J'ai été soft. Oh là, joli dérapage. Alors, je n'ai pas de. Non, toujours pas de. Toujours pas de cockpit, hein. Enfin moi j'ai vu cockpit vraiment dans l'habitacle. Bon, j'ai pris ce raccourci mais je pensais pas que ça allait marcher. Hein. Alors j'ai pas jeté un oeil sur les voitures. Ah, j'aurais pu aller à droite. J'ai pas jeté un œil. Oula, ça fait le scandale. Sur les voitures banalisées qu'on rencontre. Peut-être que c'est des voitures qui existent en plus réellement. Je sais pas. On a encore 20 secondes pour aller jusqu'au bout. Ça devrait le faire, ouais. Au cas où, ils avaient mis une petite voiture en face de nous. Si qu'on échoue sur une d'arrivée. Et voilà, on a réussi. Vous avez débloqué la Mercedes CL55 AMG. Félicitations, vous avez battu le record du tour sur ce circuit. Donc on va revenir en arrière, voilà. Et du coup, on a débloqué deux événements maintenant pour la suite. Alors, est-ce que on teste un dernier événement et puis on se laissera là-dessus. On a une course de défi Lotus Elise, voilà, donc bois côtier. On a un défi au parc national. Alors, je sais pas ce que c'est un défi parc national. Bois côtier 2. On va le faire en bois côtier, comme ça ça change un petit peu. Affronter 6 adversaires sur du Célis dans une course de 3 tours sur le bois côtier. Termine en deuxième position pour débloquer l'épreuve 10. Termine en première pour débloquer l'épreuve 9 et 10, ainsi que le circuit. On va la prendre en. Ouais, peu importe. Allez, en jaune un petit peu. On va faire extrême et c'est parti. Donc mission terminée, premier ou deuxième. Et on sera normalement 6, hein, si j'ai bien compris. Donc on est 7. C'est quand même bizarre de faire des courses à 7. Hein. J'ai rarement vu des jeux où on... c'est soit 6, soit 8, soit 10, mais c'est jamais par. Bah 7, c'est bizarre. Donc départ moyen. Alors si vous aimez la soundtrack, si vous arrivez à l'entendre, ce qui est bien, c'est qu'on sait ce qu'on écoute. Donc 3 tours, donc ça va être un circuit assez court normalement. Regardez, regardez un petit détail assez, assez bien fait. Regardez quand on va faire la vue arrière, regardez le conducteur, il va tourner sa tête. Vous avez vu? Petit détail, hein, mais comme on dit, c'est peut-être un détail pour vous. Et pour moi, c'est toujours un truc intéressant, le fait qu'ils y aient pensé surtout. Ok, donc ouais, donc en fait ça sert à rien de passer par là. Je sais pas pourquoi je suis passé par là. Et du coup j'ai rallongé copieusement mon trajet. Excusez-moi. Ah, ils ont coupé, comme la dernière fois, totalement à droite. Alors je suis tenté de terminer deuxième. Pour le moment c'est pas trop ça. Mine de rien, c'est en voyant la framerate et le nombre de voitures affichées à l'écran que je me dis que Gran Turismo à l'époque aurait presque pu caser au moins 2 voitures de plus, hein, voire pourquoi pas 10. Parce que franchement, on n'aurait pas trop de soucis. Hein. Bon, évidemment, les décors sont peut-être un poil moins détaillés, mais il y a quand même pas mal de choses affichées nous aussi. Donc je me dis, ça aurait très bien pu être possible.
Bon, là j'ai gagné des positions, mais j'ai en train de le reperdre aussitôt. Et Tegripo, aussitôt qu'Oxylum. Eh, on a fait qu'un tour, finalement le tour était assez long. Hein. On a un tour en 2 minutes 30 à peu près, ouais, 2 minutes 24. On regarde derrière nous. Donc là, je vais pas faire la bêtise de prendre à droite. Hein. De prendre à gauche, pardon. Parce que ça sert à rien, on a un peu gagné le moins dans secondes. Bon, toi, on en a perdu. Ah, on pouvait même gruger encore plus. C'est là par contre que l'IA elle s'est amusée à aller tout droit. Alors est-ce qu'on va y aller tout droit ou pas? Bah non, en fait j'ai suivi, j'aurais peut-être pas dû mais bon. Prends pas de risque. Ouais, deuxième. Et j'ai beaucoup plus vite que lui et en plus je le tape, c'est magnifique comme ça. Comme ça c'est sûr qu'on perd du temps. Alors l'effet de l'éviter c'est plutôt bon, bon des fois on a l'impression d'être un petit peu quand même lent mais à certains moments ça accélère d'un coup et c'est assez convaincant. Et il faut imaginer avec les voitures plus rapides après derrière ça va vraiment être un bon effet de vitesse croyez-moi. Et là pareil j'aurais dû prendre sur la gauche. Je ne l'ai pas fait. Du coup on va repasser par là. Pour le plaisir. Oh non, c'est pas vrai! Ah, à chaque fois que j'ai une situation, c'est très difficile de revenir. En plus, je suis remonté là. Et voilà, tout est à refaire. Bon, après, si je me refais dans un tour, c'est pas grave, mais. Un peu dommage. Ils sont assez lents dans ce virage, hein. J'ai l'impression que ça fait deux fois que. Je les rattrape d'un coup. Ou c'est peut-être justement pour que le jeu nous laisse des places à l'arrivée pour pouvoir terminer pour mon deuxième. Je sais pas. Bon, on va quasiment finir au bout d'une heure de jeu. Au niveau timing, on va être bon. Non, après, il n'y a pas de limite, hein, mais j'essaie de faire des vidéos qui ne soient pas non plus ultra longues. Hein. Enfin, une heure, c'est déjà beaucoup. Après, sachant que c'est un jeu sur lequel on passe qu'une fois, ça paraît logique quand même de mettre un peu de temps dessus. Là, je l'avais bien rattrapé, du coup on va essayer de faire pareil ici. Le fait de déraper moins, j'ai l'impression que je reprends de la vitesse hein, par rapport à lui. Et je vise évidemment la première place pour débloquer un nouveau circuit. Enfin, pour débloquer ce circuit en mode solo. Enfin, pas en mode carrière, on va dire. Même si on peut pas vraiment appeler ça un mode carrière, mais bon. Attends, il s'est crashé là? On va passer par là pour une fois. Donc là, c'est vraiment le mode le plus safe possible. Hein. Je peux pas faire pire. Vous avez vu, des fois, la voiture se lève légèrement. Allez, c'est le dernier virage, il me semble. Du coup, ça devrait le faire. Et ben voilà, on va remporter du coup la course. Bah écoutez, parfait. Vous avez débloqué la BMW Z8. Et ben voilà, une petite Z8. Et du coup, on a débloqué une autre course de défi. Vous avez battu le record du tour sur ce circuit.
Et du coup, on va pouvoir revisionner le ralenti à nouveau. Bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. C'était Need for Speed Pursuit Infernal 2. J'aurais aimé vous en dire beaucoup plus. Malheureusement, le jeu a son rythme, évidemment, de déblocage qui est pas non plus ultra rapide. C'est un jeu très très bien. Je suis persuadé que la version PC est un petit peu différente. Enfin, j'ai des souvenirs. Alors peut-être que les souvenirs de gamin, ça fluctue, ça fait changer certains trucs. Mais il me semblait que c'était un petit peu différent, le mode carrière. Donc si je me rends compte qu'il y a une différence, en tout cas, entre la version PS2 et la version PC ou une autre version, et bien entendu, on testera cette version. Donc Need for Speed Pursuit Infernal 2 sur PlayStation 2, vous aurez compris, je vous le conseille. C'est un jeu super fun, franchement, il est vraiment cool. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!